Discours Synthétique. Salut à tous, bienvenue sur Lime Rock, un tour de practice en skip barder. Donc ici on va freiner au panneau 2. On accompagne au frein, on va chercher l'intérieur pour mettre les gaz. Ici on évite de monter sur le vibreur, on attend la fin et on remet en 2. On va chercher bien à droite. Ici on léger coup de frein, on contrôle, seconde, on essaye de monter sur le vibreur, à la fin plein gaz. Ici on reste en seconde, on attend, on lâche, on remet, on essaie de rester parallèle à la ligne blanche au moment où on rentre dans le virage. Ici on va rester à gauche, léger coup de frein pour stabiliser, roue droite sur vibreur de droite tout en remettant les gaz. On essaye de rester le plus possible sur la droite. Au niveau du ici à l'angle on lâche, on attend. On n'a pas besoin des freins. Ici on va rentrer super tôt, on lâche pas tout de suite les gaz, on attend. Voilà. On remet comme on peut pour avoir le maximum de vitesse de sortie tout en restant hors de la terre. Voilà, donc c'était 58 665. On fait un deuxième tour, donc ici on essaye de rester corde, on remet, on essaye de pas monter sur le vibreur sauf à la fin, voilà comme ça. Ici à droite il y a une trace brune, juste après on freine, on stabilise, seconde on stabilise, on essaye de monter sur le vibreur, à la fin plein gaz. Ici on attend, on lâche, on remet. Attention à ne pas trop élargir, là, c'est dommage pour la vitesse de pointe en sortie. Donc ici on stabilise, léger coup de frein, on va chercher les roues droites sur le vibreur de droite, plein gaz. Attention au haut de la butte à ne pas être en diagonale. Ici au petit angle à gauche, on va laisser couler. On met les gaz assez tôt, on peut sortir un peu dans l'herbe, mais attention, c'est pas stable. Ici on attend avant de lâcher les gaz. On stabilise. Toujours remettre pas mal de freins sur l'avant histoire de pouvoir utiliser le freinage dans les courbes. Alors, en dessous de 61 c'est mortel, hein. Dès qu'on met un coup de frein même léger en tournant, faut remettre les roues droites, sinon c'est pas la peine. Niveau pression, donc 138 pour les tours de qualif, sinon en course 145 ça va très bien, niveau des chronos ça descend pas. Le SPO il est à 3 tout simplement parce que si je le mets à 5 je perds du temps dans le secteur 1. Je perds 2 centièmes au moins, je sais pas pourquoi. Et au niveau de la barre anti-roulis, donc elle est à 7, avec toujours 11 litres 8 pour les courses, et puis un peu moins si on veut en qualif. Voilà, j'espère que la vidéo vous aidera, enfin, et qu'elle vous a plu. A plus.